Alors, comment c'est bien? Écoute là, on est parti pour une belle aventure. Ah, c'était moi qui vous attendais. Ah oui. Ouais. Parce que j'ai... J'ai juste besoin, là, c'est bien, moi, tu me l'as dit. Ah, ils ont fait bien. Vu tous les problèmes qu'on a résolus. Ouais, et nous, on avait un avec vous et on l'a pas eu. Moi, j'ai ben... Mais je suis venu. Après, je suis venu. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut t'offrir des médicaments? J'ai des antidépresseurs. Ouais, hier, attention, et il y en a pas assez pour toi. Hier, attention, c'est qu'il dit maintenant pour le site qui s'appelle Consulan, notre première plongée. Aujourd'hui, on va faire deux plongées. La deuxième plongée, ça s'appelle Traveler ou Dolphin House. Juste à côté, à 5 minutes en bateau, c'est pas. Je les ai appelés. J'ai envoyé un message, mais ils ont dit Marie, elle est là. Mais aussi, leur torsion elle a augmenté. Alors, bah, si vous ne voyez pas de l'enfant, c'est la faute de mal. On va faire nos deux plongées là-bas, là-bas aujourd'hui, et après, demain matin, tôt, le bateau va partir vers 5h du mat. On ira un peu vers le nord encore, un site qui s'appelle Siou. C'est aussi un joli récif. On a beaucoup de chance de voir maintenant, je vais atterrir et dire merci. Soyons prudents. Ouais. Après, si vous ne voyez rien, dis oh, tu rentres derrière. Comme les certificats médicaux. Ouais. On en parle, mais on les voit pas beaucoup. Je m'appelle Damis. Alors, on fait la première plongée là-bas. Après, on remonte encore un petit peu vers le nord-est. On va aller vers Avonoise. Avonoise, c'est un site où il y a plusieurs épaves. On va faire notre deuxième et troisième plongée là-bas. Et le lendemain, première plongée aussi là-bas, sur trois épaves différentes. Et on redescend un peu vers le sud d'une fois pour y aller sur un site. On verra Angamar, Carlos Rive dans ce secteur-ci pour la deuxième plongée. Et la troisième plongée, ça va être sur le Small Kifu. D'accord ? Il y aura deux plongées de nuit pendant la semaine, mais je ne sais pas encore c'est quand ou où, mais ça va être dans les 5 heures. Après, le lendemain matin, encore une plongée sur Small Giftone. On descend sur Souma Bay pour aller sur un site. Ça, la chiche, désolé, pour aller sur un site, c'est pas Ras Tisha pour notre deuxième plongée. Et la troisième plongée, encore vers le sud de Sapaga. D'accord. Le lendemain, ça va être dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. On va faire soit Panorama Reef, soit Abu Kifan, ça dépend en météo, on verra. D'accord. Une ou deux plongées. Et après, on y va vers Tobia 4, c'est encore à Sapaga, pour faire notre troisième plongée et remonter. Après, une autre fois, à côté de Hurghada, pour faire un site, on verra à Boramada, ou à Boramada, on verra le vendredi, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui peuvent plonger. Car il faut avoir 24 heures, il faut arrêter à plonger 24 heures avant l'avion. Alors, pour ceux qui partent à minuit, évidemment, vous pouvez faire brioche. Ça vous va? Est-ce que vous avez une question pour la personne? Question? Question? Là, on va sortir pour préparer nos matériels. Normalement, vous devez avoir 200 bars dans chaque bouteille. Si vous avez 190, 180 pour la première plongée, ça va. C'est une plongée de 12-15 mètres. Alors, normalement, vous n'allez pas beaucoup consommer. On fait notre plongée.
te prépares, tu mets ta ceinture, tu n'oublies pas ta ceinture, s'il te plaît. C'est... Souvent, les gens oublient leur ceinture, spécialement plus tard, quand on va faire des plongées en zodiac, tu oublies ta ceinture, tu as ta plongée qui a tombé, non, mais elle est dans l'eau, ton perroquet, elle est dans l'eau. Maintenant, on met les palmes sur la plateforme arrière, les marins vont vous aider à mettre votre palme, mais tu arrives au bout de la plateforme, tu regardes l'horizon, tu prends une étape, et tu sors dans l'eau avec les stables gonflés. Tu vois? D'accord. Tu vérifies ton lestage à côté du bateau. Faites attention qu'elle est un peu de vent. Alors le vent, il va vous faire dériver en surface. Alors restez près du bateau, d'accord, juste que votre binôme, pour votre palanquet, il soit dans l'eau. Et aussi, pour vérifier votre lestage, comme ça, si vous avez besoin encore du poids, vous demandez au marin, j'ai besoin de 1 kg ou 2 kg. Je t'approche de la plateforme pour qu'il vous donne, car il ne va pas le jeter. C'est naturel. Elle est mon public. Marie, tiens. Elle vit bien. Non, parce que elle Non, j'aurais demandé au marin de me la porter dans l'eau. Ouais. Il faut bien faire ça à côté de la plateforme. Comme ça, votre binôme peut vous aider à mettre les plans dans la poche s'il y a 1 ou 2 kilos de plus. Normalement, on met rouge. Ceux qui n'ont jamais plongé ici, on prend 10% de notre poids avec une 5 mm. Alors, tu fais 60, tu prends 6 kg. On plonge avec des bouteilles d'aluminium. La mer est très salée. Pour ça, on est bien chargé au niveau du poids. Un petit pour faire la tu vois, il n'y a pas de. Après, c'est avec un 5 mm. Si vous utilisez des combinaisons plus épais, c'est encore plus. Par exemple, je rajoute une épaisseur. Après, ça dépend de l'épaisseur qui est. Par exemple, si tu prends 7 mm au lieu de 5, tu prends 10% plus 2 kg. Ton estage, c'est bon, tu dégonfles ton. En fait, tu dégonfles ton stab, tu expires, tu coules. C'est bon. Ouais, ben, si tu palmes, quand souvent les gens ils font ça, mais ils palment. Alors évidemment, tu vas pas descendre. Je suis pas si conne finalement. Question suivante. Alors, vous vérifiez bien votre plan. Votre binôme, il est là. Vous le parlez aussi, vous plongez avec un moniteur. C'est bon, il y a là. Boum, on commence notre plongée. On fait le parcours que je vais expliquer tout à l'heure. D'accord. Si votre binôme, il prend encore du temps pour le poids ou pour n'importe quel problème. Il y aura un pendeur sous le bateau, d'accord, qui est jusqu'à 5 mètres. Donc tu tiens en pendeur juste pour éviter que tu te fatigues en nageant pour rester à côté de la plateforme. D'accord. Une fois que c'est bon, il y en a en descente. Oui, il y en a. Il y en a, c'est on y va. C'est parti. Tu vois, hein, ça commence avec amour. Hein. Et tu fais ta plongée tranquille. Je vous rappelle, vite fait, les signes, bah, ça s'en barre, 50 balles, chaque doigt est dans 10. En France, vous le faites juste avec les doigts, c'est la même chose. 100, 50, 60, 70. Non, 50, je monte, c'est 60. Tu vois, alors il faut se comprendre. Alors, soit tu fais des signes de Paddy, soit tu fais des signes de la fédération. Le moniteur il va comprendre votre binôme. Gardez le contact, s'il vous plaît, on va faire une demi-tour. À 110 bars, alors 110. Pas 100. Non. Car si tu consommes 100 à l'aller, tu consommes encore plus que 50 au retour. Il faut avoir de l'air. Si on a que sous 200 bars dans la bouteille, il faut sortir avec 50 bars minimum en surface. Tu dois consommer 100 à l'aller. Demi-tour avec un peu plus que 100 bars. Alors, il faut bien prévenir votre binôme quand vous êtes à 110 bars. Comme ça, demi-tour, on revient une autre fois. N'attendez pas juste ce qu'il vous demande. D'accord ? Tu fais une demi-tour, on arrive sur le bateau. Évidemment, l'aller, ça, c'est pas une plongée profonde, mais quand même, si on fait l'aller à 12 mètres, revenez dans la zone de 8-9 mètres, c'est encore plus joli. Il y a plus de poissons, plus de couleurs, ce que je vais expliquer tout à l'heure. Est-ce qu'on arrive en dessous du bateau ? Faites votre palier à côté du récif en sortant le parachute. Le parachute est obligatoire pour la première plongée pour tout le monde. Même si vous ne savez pas le faire, il faut essayer. D'accord ? Alors, il faut.
votre moniteur, ceux qui posent avec vous, ou avec ou de nous, moi ou Sambou, peut vous montrer comment le faire. Il faut bien savoir comment le faire. Donc, il y a des gens. Le premier bateau, on y va vers la deuxième. On a zélé al-Habita. Jusqu'on arrive en dessous du bateau. Comment réparer le bateau? Déjà sur la coque, à l'avant et à l'arrière, c'est écrit Okeanos Explorer. Comme s'il est à l'autre. Non, c'est pas notre bateau. Un pondeur. Un pendeur avec une petite pancarte en bois, cette maison, où c'est écrit Explorer avec deux morceaux de bois. On a perdu le grand truc qu'on a en inox qu'on avait. Voilà, ça c'est réussi. C'est juste là. Faites attention qu'il faut qu'on sorte de l'eau à 50 bars. 60 bars, il faut qu'on commence nos paliers de sécurité. Même si vous n'êtes pas à côté du bateau, si vous êtes loin, c'est pas grave, faites votre palier parachute surface. Si vous trouvez que vous êtes à 10-15 mètres du bateau, vous pouvez nager revenir vers le bateau. Si vous trouvez loin, le Zodiac va venir vous chercher. D'accord? Restez. Si vous sortez loin, alors faites votre palier à côté du récif, sortez à côté du récif, après écartez-vous en surface. D'accord? Il y a des passages du Zodiac, des bateaux si vous êtes loin, il faut bien sortir à côté du récif et nager pour s'écarter un peu du récif en surface. Profondeur max 14-15 mètres, temps max 60 minutes. Faites votre palier de sécurité 3 minutes à 5 mètres, à 60 bars s'il vous plaît, 50 bars, il faut qu'on soit en surface s'il vous plaît. Ça vous va? Si tu perds ton binôme, il faut savoir comment utiliser le parachute pour appeler le Zodiac. Vous chercher tout simplement. Alors, c'est obligatoire pour la première plongée de sortir le parachute. Il faut bien, en arrivant en dessous du bateau, de ne pas se coller en sortant le parachute car après tous les bouts qui vont s'attacher. Alors, gardez un peu d'espace entre vous. Vérifiez bien quand vous lâchez votre bout de bout. Si vous n'avez pas un dévidoir, juste un morceau du bois, que c'est pas attaché, qu'il n'y a pas de coraux en dessous, que vous n'allez rien abîmer ou aussi que ça va pas s'attacher. Si il est attaché en bas, tu gonfles le parachute, tu ne vas pas monter. Il faut bien vérifier que c'est du sableux où vous allez laisser le poids. Gonflez bien votre parachute. Alors, ma conseil, quand tu ouvres le parachute, tu gonfles et tu expires en même temps. Comme ça, toi, tu coules et le parachute va monter. Comme ça, tu ne vas pas monter avec lui. Et en même temps, ça vous permet de prendre du temps à mettre de l'air dedans. Car à 5 mètres, si tu veux, pst, voilà juste un petit bout comme ça qui sort de l'eau. Alors là, quand tu es à côté des plateformes, on le voit. Mais quand si tu es à 100-150 mètres, ça ne se voit pas. Il faut bien gonfler votre parachute. Et sans oublier que votre sécurité d'abord, alors si ça se complique pour n'importe quoi, soit lâchez le parachute. Ne montez pas avec le parachute. Il vaut mieux que vous restiez en sécurité, puis va monter en surface. C'est facile à récupérer. Et si vous montez comme une flèche de 5 ou 6 ou 7 mètres, alors ça c'est plus dangereux. Pareil aussi en gonflant le parachute, faites attention de rester bien à 5 mètres. Ça c'est souvent. Les gens, tu commences à sortir le parachute, tu ne vérifies pas à quelle profondeur que tu es, tu coules, tu n'équilibres pas, tu as mal aux oreilles, après on se retrouve, ah j'ai du mal aux oreilles, ou tu gonfles ton ou le temps que tu mets de l'air dedans, tu es à 15 mètres et tu as 5 mètres du bout, alors tu vas monter comme une flèche de 15 à 5. Il faut bien être stable avant de commencer de sortir votre parachute, s'il vous plaît. D'accord? Une fois que vous êtes en surface, ramassez bien votre parachute. Vous le donnez au marin, après vous montez par l'échelle. On a une échelle perroquet qui est bien confortable de monter avec les palmes. Sinon, c'est un choix. Si vous voulez monter avec les palmes, allez-y. Si vous voulez enlever vos palmes, c'est comme vous préférez. Moi, je vous conseille de monter avec les palmes. Comme ça, si ça arrive quelque chose et tu tombes dans l'eau une autre fois, il y a du courant, ça, tu ne vas pas galérer à revenir vers le bateau. Si tu n'as pas tes palmes, tu vas nager avec les mains, les bras, ça, c'est fatigant. Alors, il faut mieux que vous gardez vos palmes en temps. Et de toute manière, une fois que vous arrivez à la plateforme, les marins ils vont vous aider tout de suite à enlever vos palmes. Faites attention aussi quand il y a quelqu'un qui monte l'échelle, de ne pas rester en dessous de lui. Car s'il tombe, tu prends la bouteille dans la tête. Alors gardez un peu de distance jusqu'à lui, il arrive sur la plateforme et après, toi tu vas derrière lui. Ça vous va? Super. Les palmes, après, vous pouvez les ranger sur la plateforme arrière. Il y a des trucs en inox, vous pouvez ranger les palmes. Quand on n'a pas de grandes navigations, on peut les laisser derrière. Quand on a des grandes navigations, les marins ils vont monter toutes les palmes en haut et après, ils vont les déposer une autre fois.
Thank you.